Bonsoir et ravi de vous retrouver dans Top Rugby, nouvelle formule en direct jusqu'à 19h depuis les locaux de Sud-Ouest, puisque c'est la grande rentrée de TV7 ce soir. On se retrouvera tous les lundis en direct dans Top Rugby. Alors pour commencer ce soir, d'abord on va accueillir Johan Lesoriès du journal Sud-Ouest qui sera régulièrement avec nous et qui suit l'Union Bordeaux-Bègles de toute la saison. Bonsoir Johan. Bonsoir. Et notre premier invité, on l'a dit, on est très honoré de l'avoir avec nous pour cette première de la saison. C'est Laurent Marty, le président de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur les choses qui fâchent et cette défaite à Castres, l'info du week-end, et c'est une bonne nouvelle, c'est que il y a déjà un premier titre pour l'UBB avec les Espoirs qui ont participé au rugby Pro 7 et qui se sont imposés en finale à la dernière minute, je crois, en plus contre le Racing. Ça fait chaud au cœur, j'imagine. Oui, ils sont champions de France. Il faut savoir que cette compétition regroupait 32 clubs, les 30 clubs de Pro D2 et de Top 14, et deux équipes spécialisées dans le rugby à 7. On a battu le Racing et la Rochelle en phase finale, donc on est heureux. Avec un essai à la dernière minute, voilà, pour arracher la victoire pour les jeunes. Et bravo aux jeunes espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles. On les suivra évidemment tout au long de la saison. On va d'abord revenir aussi sur la défaite des pros du côté de Castres au stade Pierre-Antoine avec le résumé de la rencontre. Tombeur du champion de France en titre la semaine dernière au stade Chamon-Elmas, l'Union Bordeaux-Bègles se déplaçait chez l'un de ses meilleurs ennemis, le Castres Olympique. Et pour ce premier déplacement de la saison, Jacques Brunel et son staff pouvaient compter sur l'arrivée et le retour surtout des 5 internationaux français. Parmi ces 5 internationaux, un seul était titulaire samedi après-midi. C'est Nance Ducoing qui va s'illustrer sur ce premier ballon. 12e minute de jeu, le score est de 3 partout. Nance Ducoing déchire le premier rideau, passe les bras pour Jean-Baptiste Dubié qui remet à l'intérieur pour Yann Lesgourde. Mouvement magnifique conclu par le demi-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles entre les poteaux. Très très bon début de match de la part des hommes de Jacques Brunel. On va revoir ce mouvement au ralenti avec la prise de balle intérieure de Nance Ducoing qui remet pour Jean-Baptiste Dubié. Dubié qui lève les yeux, pas de solution sur l'extérieur, il remet à l'intérieur pour Yann Lesgourgues. Magnifique essai pour l'Union Bordeaux-Bègles qui mène alors 10 à 3 dans le Tarn, puis 13 à 3 avant que les Tarnais ne réagissent. 24e minute de jeu, le Castres Olympique s'appuie sur ses forces, les avant, et ce groupé pénétrant qui est dangereux sur la défense de l'Union Bordeaux-Bègles. Premier arrêt du mol signalé par monsieur l'arbitre. Et c'est finalement Loïc Jacquet, le deuxième ligne du Castres Olympique, qui va s'échapper pour aplatir l'essai du Castres Olympique. Le CO est nettement dominé sur sa pelouse, puisqu'à la mi-temps, c'est l'Union en Bordeaux-Bègles qui mène 16 à 8 au stade Pierre-Antoine. Privé de ballon pendant le premier acte, les joueurs de Christophe Furios vont se réveiller en début de seconde période. 46e minute de jeu. Vaipoulou s'échappe de cette mêlée pour aplatir l'essai pour le Castres Olympique. On voit que les internationaux de l'Union Bordeaux-Bègles, notamment Baptiste Serin, sont rentrés. À ce moment-là du match, à l'heure de jeu, eh bien, c'est toujours l'Union Bordeaux-Bègles qui mène d'un tout petit point, 16 à 15. Mais Castres va accélérer avec un nouvel essai magnifique. Jeu dans le côté fermé avec Loïc Jacquet qui va retrouver Smith. Et pour la première fois de l'après-midi, eh bien, le Castres Olympique prend l'avantage et mène 20 à 16, puis 23 à 19. Et à 10 minutes de la fin de la rencontre, eh bien, les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles vont se mettre à la faute. D'abord ce carton jaune contre Edwards qui a effondré volontairement le mol. L'UBB est à 14 contre 15, puis à 13 contre 15 pour cette faute de Cyril Cazot, rentré quelques minutes auparavant. Le jeune deuxième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles qui commet une faute dans les airs. Et monsieur l'arbitre qui sort très justement le carton jaune. L'UBB à 13 contre 15 va exploser dans les dernières minutes, permettant au Castres Olympique de dérouler et d'inscrire deux nouveaux essais. L'essai du bonus d'abord inscrit par Tulou à la 78e. Et puis juste avant la sirène. Beau mouvement de la part du Castres Olympique qui va se conclure par un nouvel essai. Encore une fois, Loïc Jacquet qui a touché beaucoup de ballons au stade Pierre-Antoine. Le ballon qui va être écarté. Beau travail encore de Dumora. On voit que les castrés sont stoppés à l'entrée des 22 mètres. Et Cocotte va se saisir du ballon, échapper à 1, 2, puis 3 plaquages pour aller aplatir le dernier essai de la soirée. Score final 33 à 19 pour le Castres Olympique qui empoche le bonus offensif et pas mal de déceptions pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles à l'image de Jefferson Poirot. Ouais, déçu parce qu'on a fait une bonne première mi-temps et puis on lâche sur le début de deuxième mi-temps. Après, on arrive à revenir un petit peu et puis sur la fin, on subit trop, donc beaucoup de déceptions. Ouais.
Et à l'issue de cette deuxième journée, aucune équipe ne l'a remporté à l'extérieur. Il faut signaler le nouveau succès de Lyon face à Brive, ou bien encore la première victoire d'Agen contre le Racing 92. Au classement, Montpellier est seul en tête, l'UBB est 8e. Et puis en bas de tableau, Oyonnax, Pau et Brive sont toujours à la recherche de leur première victoire. Le prochain match pour l'Union Bordeaux-Bègles, ce sera lors de la troisième journée du top 14 et la venue du Stade français au stade Chamois-Dalmas à 18h. Vous pouvez d'ailleurs gagner vos places sur notre site www.tv7.com. Voilà, de retour en direct donc dans Top Rugby avec notre invité Laurent Marty, le président de l'Union Bordeaux-Bègles. Laurent, quelle est votre analyse sur cet échec du Castres Olympique? Est-ce que, comme Jefferson Porro, vous avez des regrets, notamment au vu de la première période? Oui, nous sommes repartis très frustrés parce que franchement, depuis que nous sommes en top 14 et que nous allons à Castres, à part l'année où on a fait un match nul, mais enfin mener 16-8 à la mi-temps contre cette équipe de Castres qui est redoutable, en maîtrisant en plus notre sujet, en marquant un essai superbe, on se dit tiens, il y a vraiment un coup à jouer. Puis en seconde mi-temps, bah, ils nous prennent tout simplement sur les mêlées, où ils sont dominateurs à partir de la 55e, 50e, et puis sur ces groupés pénétrants qu'on n'a pas toujours su contrer, parce que sur le reste, on était peut-être même un peu supérieurs. Il n'y a pas des regrets de ne pas avoir tué le match, ou en tout cas d'avoir pas plus scoré en première période parce que l'UBB a eu les occasions de le faire. Oui, oui, c'est ce qu'ont dit les entraîneurs, c'est que si on avait plus concrétisé en première mi-temps, parce qu'on a quand même dominé, on a deux autres occasions d'essai assez franches, peut-être ne serait-il pas revenu. Donc Jefferson Poirot soulignait le manque de rythme des internationaux après leur préparation spécifique. Est-ce une des raisons de la défaite de samedi? Je sais pas, j'ai vu que Christophe Furios disait qu'il n'avait jamais été inquiet, qu'il était inquiet pour le Racing et que quand il avait vu le banc des remplaçants, il était encore moins inquiet. Mais bravo à lui. C'est... Nous, on pensait justement que ce banc de remplaçants, où nous avions quand même des internationaux au nombre de 5, je crois, nous aiderait certainement à faire la différence. Je crois que Jefferson a dit exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils sortent d'une préparation physique très intense et donc ils ont les jambes un peu coupées, ils manquent un petit peu de rythme, ils vont pas tarder à se remettre dans le bain. Donc 5 internationaux dans les rangs de l'UBB, dans cette liste élite du 15 de France, ouais. Certains d'entre eux vont manquer le tiers de la phase régulière. Ouais. Et avec cette préparation spécifique, un manque de rythme sur les premiers matchs, c'est pas une bonne nouvelle pour les clubs, si? Non, mais on le sait, on a fait un effort pour l'équipe de France, parce que tous les clubs professionnels ont compris qu'il fallait que l'équipe de France soit performante. Voilà, je sais pas ce qui se passera à l'avenir dans la stratégie des clubs, parce que aujourd'hui, on nous parle d'une dizaine de matchs, mais si on ajoute les matchs où il faut les reposer, les matchs où ils ne sont pas prêts parce qu'ils ont fait une grosse préparation, ça fait beaucoup maintenant. Ça fait beaucoup d'efforts de la part des clubs. Est-ce qu'il y a quelque chose en retour de la part de la fédération, de la compensation On en a beaucoup parlé. C'est pour ça qu'on explique souvent qu'il y en a un petit peu ras-le-bol de taper sur la Ligue, les clubs pros. C'est de la démagogie de bas niveau à force. Les clubs sont très conscients des problèmes de l'équipe de France. C'est pour ça que nous avons fait de très gros efforts. Et ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que l'effort financier de la fédération pour payer ces internationaux qui ne peuvent pas jouer avec leur club, il est de 5 ou 10% du coût total. Mais on trouve ça normal. On est là pour aider le monde amateur, pour aider l'équipe de France. Mais qu'en retour, on arrête de nous taper dessus, quoi. Alors on va revenir au championnat, au top 14, parce que la défaite à Castres fait suite quand même à un gros match et une belle prestation de l'Union Bordeaux-Bègles contre Clermont. Où on se situe aujourd'hui entre la belle perf contre Clermont et puis le match un peu mitigé de Castres entre les deux? C'est un peu trop tôt pour s'enflammer ou pour juger. Mon sentiment à moi, c'est que cette équipe est en net progrès. Je crois qu'on va assister à une belle saison de l'UBB. Je vois ce qui se fait à l'entraînement. On voit en match quand même des choses qui sont en train de porter leurs fruits, qui me paraissent efficaces, tout en mettant un gros volume de jeu. Donc je suis confiant pour l'avenir. Vous étiez confiant aussi pour le recrutement, on en avait parlé lors de notre dernière émission. Et avec ce qu'on voit sur le début de championnat, eh bien, on ne peut que vous rendre hommage, parce qu'effectivement ce recrutement, il est très bon. Enfin, on a vu des joueurs, Nakalevu, Diaby, qui sont des joueurs, il y en a d'autres bien sûr, mais Houston aussi qui avance, qui apporte un vrai plus au groupe. Oui, ils étaient très ciblés. On voulait des garçons explosifs, puissants, capables de gagner leur duel, ce qui nous a fait un petit peu défaut l'année dernière, parce qu'on jouait bien l'année dernière, on se faisait beaucoup de passes, mais on avait du mal à franchir. Donc on a axé le recrutement sur ce profil de joueur. Pour l'instant, on voit que c'est pas trop mal.
Le recrutement, alors parce que c'est tellement compliqué des fois en rugby, on préfère demander l'avis à Laurent Marty. Là aujourd'hui, il y a encore la possibilité d'avoir un joker, un autre joueur, ou le recrutement est définitivement terminé pour cette saison? Non, non, on a encore la possibilité d'avoir deux joueurs supplémentaires entre les jokers équipe de France. Enfin, moi j'appelle ça les jokers équipe de France. C'est les joueurs qu'on a le droit de recruter parce qu'on a des internationaux qui ne seront pas là. Et un joueur supplémentaire sur les deux auxquels on a droit tout au long de la saison. Vous avez vous êtes en cours de recrutement? Non, pour l'instant, non. Il y a pas mal de blessés, mais on a 51 joueurs avec notre quinzaine de jeunes sur lesquels on compte. Ça fait quand même beaucoup de joueurs. Un nouveau staff qui a déjà imprimé sa patte, on le voit, toute la semaine, lors des séances à Moga. Vous le sentez, le changement? Oui, je crois que nos supporters l'ont vu aussi contre Clermont. On l'a vu en première mi-temps contre Castres. C'est un jeu où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de prise de ligne d'avantage. Là où avant, on avait tendance à beaucoup plus réciter, aller chercher d'abord sur les extérieurs. Là, on est un peu plus concentré sur l'axe du terrain. Ça me paraît de bon augure. Alors, deuxième réception. Après, clairement, c'est le Stade français qui vient samedi à Chaban, 18h. Vous pouvez d'ailleurs gagner vos places sur notre site www.tv7.com. C'est un match important. Tout le monde voyait un petit peu le Stade français enterré après sa première défaite à domicile contre La Rochelle. Et puis, il y a eu cette réaction ce week-end. Ça a tout du match piège, finalement. Parce que ces Parisiens, ils sont peut-être pas au niveau auquel on pouvait les attendre. Non, mais je crois que ce qu'il faut comprendre du Stade français, c'est qu'il y a un changement de staff, il y a un changement de présidence. Ça, c'est jamais facile à gérer. Et il y a eu beaucoup de départs de joueurs, mais il n'empêche, et un recrutement tardif pour eux, mais il n'empêche que le 15 type du Stade français peut battre n'importe quelle équipe. Et il est là le problème pour nous, on l'a vu. Ils ont quand même 35 points à La Rochelle, ça fait longtemps que La Rochelle ne s'était pas fait secouer comme ça, et encore, il y en avait 30 à la mi-temps. Je veux dire, hein, ils ont un peu levé le pied en seconde mi-temps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quasiment leur 15 type. Et le 15 type sur le papier du Stade français, ben c'est un gros, gros danger pour l'UBB samedi, mais en même temps, un gros match en perspective. Un gros match. Allez-y, bien sûr, encouragez votre équipe, parce qu'elle en aura besoin. Hein. C'est un gros, gros match. Bon, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de le redire tout au long de la saison. Il n'y a pas de petit match cette année en top 14. Laurent, votre regard aussi sur ce qui agite un petit peu le rugby français avec l'affaire Laporte. Quel regard vous portez sur cette affaire? J'ai dit ce que je pensais. Hein. Je crois que j'ai été un des premiers présidents à oser s'exprimer. Je pense que Bernard Laporte a commis une grosse erreur en signant un contrat à titre personnel avec Mouad Al Trad. Il faut aussi que dans ce rugby qui se modernise, où des nouveaux arrivants prennent possession de clubs, eh bien, il faut que les gens comprennent qu'il y a des règles à respecter dans le rugby. On a la chance d'avoir un sport assez rare, je trouve. On parle souvent des valeurs du rugby, mais elles sont là, pour de bon. Donc il faut respecter nos règles, et si on respecte nos règles, tout le monde est le bienvenu. C'est ce qui vous a poussé à vous engager à la Ligue, je crois, aussi, défendre ses valeurs. Exactement. Ça a été ma motivation principale, puisque ça faisait 2 ans qu'on me poussait un peu à y aller. Je disais que j'avais assez de travail comme ça, mais voyant que ça dérapait un peu, je me suis dit bah, il faut être un soldat de plus pour défendre ses valeurs. Merci beaucoup, en tout cas, à Laurent Marty, le président de l'Union Bordeaux-Bègles, d'être venu avec nous pour cette première. Voilà, on est très fiers de vous avoir eu avec nous. Merci à Johan Lesorias. On aura l'occasion, évidemment, de revoir journaliste pour le groupe Sud-Ouest qui suit l'Union Bordeaux-Bègles tout au long de la saison. C'est ainsi que s'achève cette émission. N'oubliez pas d'aller encourager votre équipe samedi prochain, 18h, au Stade Chaban-Delmas contre le Stade français. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.